Albator, Albator. Les plus de 30 ans se souviennent avec émotion des aventures du pirate de l'espace, de son vrai nom Captain Harlock, diffusé à la télévision française en 1978. Le riche univers de science-fiction de son créateur, le mangaka Matsumoto Leiji, ne pouvait que séduire les créateurs de jeux vidéo. Pourtant, si l'on accepte les multiples jeux de pachinko, le balafré et ses acolytes ne se montrent que rarement sur nos consoles, le record de ses apparitions étant détenu par la PlayStation première du nom. Zéro. 男は明日のために戦わねばならない時がある. Si le nom Cosmo Warrior Zero est désormais bien connu grâce à la série animée qui le porte, il faut savoir que cette série était adaptée d'un jeu vidéo de Taito, sorti en 1999. Jeu de baston 3D opposant les personnages emblématiques du maître, parmi lesquels Harlock bien sûr, mais aussi Emeraldas, Tochiro et quelques nouvelles têtes, Cosmo Warrior Zero ne présente que peu d'intérêt malgré sa tentative de proposer un mode solo digne de ce nom entrecoupant les différents combats de niveaux à explorer. Le gros point fort du jeu reste sa collection de croquis préparatoires débloqués au fur et à mesure que l'on termine les différents modes. La saga Yamato, sur laquelle Matsumoto fit ses premières armes dans le dessin animé, est un des piliers de l'animation japonaise. Les deux opus, sortis sur PS1, reprennent les histoires des deux premières séries, avec de nombreuses scènes cinématiques en animé reprenant les moments cultes de la saga. Tous les personnages ont pour l'occasion eu droit à une cure de rajeunissement sous la plume du caractère designer Masunaga Keisuke. Mais Salaba Yamato ne se contente pas de flatter le fan, il se permet également d'être un excellent jeu de combat tactique. Alternant les phases de déplacement en tour par tour continue, sur un damier hexagonal et des combats spatiaux trépidants, le jeu s'avère une adaptation plus qu'honnête de la série d'origine. L'une de ses particularités est que toutes les commandes se font via les personnages eux-mêmes et les postes qu'ils occupent à bord du navire, immersion garantie. Comme son nom l'indique, Matsumoto Leiji Free 9 se situe dans l'univers de Galaxy Express Free 9, mais n'est pas une adaptation de cette série culte. Il s'agit plutôt d'une relecture des aventures de Tetsuro, dans laquelle tous les personnages de Matsumoto ou presque viennent jouer un rôle. Il s'agit d'un jeu d'aventure au graphisme 3D plutôt réussi, dans lequel vous incarnez le jeune Tetsuro donc, qui voyage aux côtés de la mystérieuse Metel, à bord du train spatial Galaxy Express 999. Le train sera régulièrement bloqué sur de nombreuses planètes et ce sera à vous de trouver un moyen de le faire repartir. On pourrait presque se croire dans Siberia, si n'étaient les rencontres avec Harlock, Emeraldas, Tochiro et toute la clique.
Le jeu s'avère très plaisant à jouer, même si, sorti uniquement au Japon, il ne livrera ses secrets qu'aux joueurs familiers de la langue. C'est d'ailleurs le défaut commun à tous ces titres qui restent méconnus dans nos contrées. Verra-t-on un jour le pirate de l'espace sur nos consoles dans la langue de Molière ? Il y a quelques années, des développeurs français menés par Philippe Dessoli, le créateur de Mr. Nuts et illustrateur officiel de Matsumoto et Nagaigo en France, avaient un projet de jeu Captain Harlock sur GBA. Mais malgré l'accord des ayants droit, le jeu ne vit pas le jour, faute d'éditeurs intéressés. Ils n'ont pourtant pas baissé les bras, avis donc aux éditeurs qui ont eux aussi, à coup sûr, grandi en suivant les aventures du capitaine au cœur d'or.